Beste kijkers van Omroep Land van Kuik, leuk dat u weer kijkt naar een uitzending van ons. Een reportage vandaag uit Zuid-Frankrijk. Frankrijk kent 36.000 gemeentes en in een van die gemeentes bevinden we ons nu. Je kunt het eigenlijk een gehucht noemen, want hier in dit gebied op 2,5 vierkante kilometer wonen 51 mensen in 24 woningen. Ze zijn er erg gelukkig. Maar er is eigenlijk niks te beleven in het dorp. Er zijn geen winkels, er is geen school, geen bank, geen bakker, echt helemaal niets. Hierboven, daar hebben we een kerkje uit de 12e eeuw. En even verderop, in het dal, daar ligt het gemeentehuis. En met de burgemeester van dit dorpje, Bosukan, heb ik een afspraak. Bosukan. En dat plaatsje dat ligt ongeveer op een uur rijden ten oosten van de stad Bordeaux, midden in de prachtige wijnstreek hier. Nou, verdient zo'n burgemeester in zo'n dorpje niet veel. Gemiddeld zo'n €650 per maand, als er minder dan 500 inwoners in zo'n dorp zijn. Maar het is wel belangrijk dat je contact onderhoudt met zo'n burgemeester, want hij wil ook graag weten wie komt er in mijn dorp, wat zijn ze van plan. En je hebt het vaak nodig bij bepaalde zaken, zoals het aanvragen van een bouwvergunning bijvoorbeeld. In Nederland wordt de burgemeester door de kroon benoemd. Dat is hier niet zo. De burgemeester die wordt benoemd door de inwoners van het dorp. Zij kiezen uit hun midden een burgemeester. Nou, dat is het dan. Een heel klein gemeentehuisje. Het is maar een paar uur per week geopend. Ik heb een afspraak met de burgemeester, een vrouwelijke burgemeester, Pascal Quibec. En ik wil van haar weten, wat doet zo'n burgemeester nu in zo'n dorpje waar 51 mensen wonen in 24 woningen? Daar heb je toch geen dagtaak aan? Ah, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis devenue maire de Bosukan à la suite du décès de mon beau-père, Monsieur Philippe Dard. Les élections étant là, en 2008, on a remonté une équipe municipale et l'équipe municipale m'a demandé de prendre la tête du conseil. Donc ce que j'ai fait avec plaisir, puisque bon, de toute façon, c'est une équipe d'amis, de copains. Notre mairie est ouverte le lundi matin et le jeudi après-midi. Le reste de la semaine, je travaille dans les vignes, comme beaucoup de Bosuganais, dans une société de prestations viticoles. Et je m'occupe de la gestion des équipes de saisonniers. Twee wegen doorkruisen dit kleine Franse dorp. De doorgaande weg, de route départementale nummer 17 en de route de l'Église. Bosukan telt zo'n 50 inwoners. Er zijn weinig jongeren, want die trekken naar de grote stad. Het is al lange tijd aan de gang dat het Franse platteland ontvolkt. En wat dan overblijft zijn de inwoners die een baan in de wijnbouw hebben en de ouderen die er naar de volle tevredenheid wonen. Maar hoe is nu het dagelijks leven voor die ouderen hier? Ik ga bij een van de inwoners op bezoek. Luna de Waakhond heeft me al snel opgemerkt. Want ik heb een afspraak met Marise en Ellen Campos. Zij wonen al bijna 50 jaar in Bosukan aan de Route de l'Église. Ze hebben goede entretien voor le jardin. L'entretien des fleurs, non, mais c'est le jardin potager que j'ai qui prend quand même beaucoup de temps et du travail. Oui. Marise en Ellen zijn bijna zelfsupporting. Hun eigen moestuin geeft voor een heel jaar groente en fruit. Oui. En wat te veel geoogst is, gaat allemaal de diepvriezer in. Groente en fruit kopen ze zelden. Alles komt onbespoten uit eigen tuin. Vous aimez de travailler dans le jardin? Oui, oui, mais on l'a toujours fait, alors on a toujours entretenu le jardin.
Vous avez des animaux? Oui, oui. Les poules, les coques, des pintades, des canards aussi. On a les cochons, là, ici. Le cochon? Oui, oui. Regardez. Ah. Oui. Comment s'appelle le cochon? Ah, il y en a un, c'est Victor. Victor, l'autre, et l'autre, je ne me rappelle plus le nom. C'est mon neveu qui leur a donné des noms. Il leur a donné des noms, mais je ne me rappelle plus. C'est Victor, celui qui a les taches, et puis celui-là, je ne me rappelle plus. Et qu'est-ce que vous faites avec le cochon? On tue Eh bien, comme vous parlez, vous savez, on le tue, on fait le jimboura, le boudin, on fait des côtelettes, le jambon. Vous cherchez un boucher, cette fou qui tue? On a une personne qui vient nous le découper. Ah oui. Et puis moi, je fais les pâtés, je fais plein de... Enfin, c'est moi qui le cuisine. Et c'est pas interdit pour tuer un cochon dans sur votre terrain, non? Pour notre consommation personnelle, non. Ah, d'accord. Un jour, ça le deviendra peut-être, mais c'est pour toléré. C'est toléré, voilà, juste... les cochons, il y a les poulets, il y a les pintades, les canards. Où sont les canards? Les canards, ils sont plus bas, là. Et les chiens? Et le chien. C'est le chien méchant? Non. Non. On a eu un berger allemand. Oh, et encore, ils commencent à être moins mignons. Avant, quand ils sont vraiment en caneton, c'est vraiment un joli. Ils sont tout jaunes quand ils sont tout petits. Mais tout le foulard, ça c'est pour manger dans la vie? Oui, oui. Ok. Oui. On n'achète rien. Enfin, si, on achète un peu de... Le bœuf, c'est tout, quoi. Mais tout ce qui est volaille, puisque, on fait lapin, pigeon, canard, pintade, oui. les bœufs. Ah, OK. Voilà. Puis bon, comme on a des enfants, ben, on en donne aux enfants. Oui. Là, le canard, je le cuisine en confit. La vigne, la journée, on était à la vigne. Le soir, en débauchant, ben, il fallait s'occuper quand les enfants étaient petits. Deux, et après le jardin, les animaux, tous les jours, c'est ça, le matin, d'accord. Le soir. Oui. Alors là, ça nous faisait partir 8 jours, et puis nous, 2 fois, on est partis en vacances, 1 semaine, mais c'est à peu près tout, quoi. Vous aimez la vie à la campagne? Oui, non, puis bon, le problème, c'est qu'avec les animaux, on est un peu contraint de... Enfin, pour soigner tous les... Voilà, il faut sinon trouver quelqu'un qui nous les soigne, quoi. Bossucan ligt in de Entre-deux-Mer en is een wijngebied van meer dan 6000 hectare. Het ligt ingeklemd tussen de rivieren de Dordogne en de Caronne, ten oosten van Bordeaux. Dit gebied produceert voornamelijk de witte Bordeauxwijn. Veel inwoners van Bossucan werken dan ook in de wijn. Deze kleine gemeente organiseert elk jaar voor haar inwoners een dagje uit. Nogmaals, de burgemeester. Alors pour les habitants de Bossugan, nous organisons principalement une sortie l'été où on invite toute la population de Bossugan. Bon, certes, c'est pas grand, beaucoup de gens, c'est 50 personnes, mais ils viennent tous. Ils sont tous là pour notre sortie, ce qui fait que on voit grandir les petits, l'évolution de chacun. Toute la commune, pareil, tous les ans, elle invite toute la commune. Les jeunes, enfin ceux qui veulent venir, quoi. Le patrimoine le plus important sur la commune, c'est l'église, c'est notre église. Donc depuis que notre équipe a été élue, depuis 2008 quand même, nous nous occupons de la remettre en état. Donc on a commencé par la toiture et l'année dernière, on a refait faire le clocher. Et le grand événement sur Bossugan, on a fait rebaptiser la cloche qui n'avait pas sonné depuis 40 ans. L'église avait été fermée en 62 et qui a été rénovée depuis l'an dernier. Hein?
Mevrouw Dart is trots op haar kleinschalige dorp. Alles wat in de krant over haar dorp geschreven is, heeft ze bewaard. En première page du résistant. Patrimoine. Et ça c'est le journal de 93. C'est la l'église de Beausugan là qui était en première page. Et il y a eu déjà des obsèques, il y a eu mariage. Et puis donc la rénovation maintenant, la toiture et tout. Et maintenant il reste l'intérieur parce qu'il y a eu un cambriolage. Et, oui, l'église avait été cambriolée. Een rustig Frans dorp met 50 inwoners die er naar ter volle vredenheid wonen. Maar hoe lang nog is dit dorp zelfstandig? Schaalvergroting ligt op de loer. Is de burgemeester niet bang de zelfstandigheid kwijt te raken? Oui, bien sûr, nous avons très peur, étant donné que bon, nous parlons beaucoup de nouvelles communes, de regroupement de communes. Donc, effectivement, Beausugan, 50 habitants, on a un peu une épée de Damoclès sur la tête. On sait pertinemment que, arrivé un moment ou un autre, on nous le demandera. De toute façon, plus ça va, moins on a d'argent pour gérer la commune. Donc, arrivé un moment, on sera obligé. Obligé de fédérer avec une autre commune. Moi, personnellement, je pense qu'aux prochaines élections municipales, c'est-à-dire en 2020, je pense que pour nous, au Beausugan, on nous obligera à nous regrouper avec une autre commune. Être regroupé à une autre commune, non, on aime la nôtre et on n'a pas envie de faire partie d'autres communes, d'être rattaché. Nous avons une secrétaire de mairie. Donc une secrétaire de mairie, même si demain la mairie de Beausugan fermait, on est obligé de lui retrouver un poste. Donc quelque part, l'économie d'échelle, elle n'existe pas. Elle ne sera pas là. Ce qu'il y aura par contre, c'est qu'on va fermer une mairie, on va supprimer un service de proximité et quelque part, c'est un peu la fin de nos campagnes, la mort de nos campagnes. De tijd zal het leren. En al worden dorpen samengevoegd na de verkiezingen van 2020, dan zal er niet veel veranderen aan dit kleine dorp Beausugan. Maar of de burgemeester haar functie nog behoudt, dat valt nog te bezien.